Dans un contexte côté violence armée yo a intensifié, président conseil pouvoir transition Leslie Voltaire qui t'a dressé bilan 6 mois KPTA, a pesé fort sous affaires sécurité a li di qui c'est plus gros défi pouvoir. Dans ce sens, représentant famille Lavalassa dans conseil a fait connaître plusieurs mesures qui déjà adopté pour renforcer institution sécuritaire. Dans le travail pour force droit renforcer plus. C'est comme ça m'a informé pays a, moi fait que soit écrit secrétaire général Nations Unies pour demander le Conseil de sécurité à changer mission appui à sécurité à la mission maintien la paix. C'est une façon pour force l'ordre à joindre plus bon support pour côté des amis dans la communauté internationale. L'état d'urgence qui était déclaré le 8 mai est toujours gagné. Si la situation a demandé pour les renforcer, nous ne pouvons pas hésiter à faire ça. Nous travaillons tout pour mettre en campé le Conseil national de sécurité à Jean-Claude 3 avril la mandé ça. Architecte a réitéré engagement KPTA sous réalisation grand chantier yo tant qu'organisation élection pour renouveler personnel politique yo. Vle par vle, faut que 7 février 2026, Jean sa prévoit dans l'accord politique 3 avril là avec Jean décret 23 mai 2024 la mandé. Yon président qui sorti, yon présidente qui sorti dans l'élection doit prendre place dans tête pays. Pouvoir législatif là doit recommencer fonctionner. Commune New York. Section communale, c'est monde qui sortit dans l'élection qui pour la tête. Ça m'a demandé pour disposition pour l'élection réalisée pendant l'année 2025. Nous avons souhaité que dans un temps qui n'est pas en pile, que la voie va être conseillée sur un projet de décret électoral. Le conseil présidentiel de transition, nous travaillons pour lancer la conférence nationale là. Pendant le comité pilotage a avancé avec les formes constitution. En termes de réaction, quelques citoyens qui ne sont pas d'accord nous enregistrer une fois avec une vidéo, plaignent pour condition la vie, qui vient plus mal à cause de violence gang. VOA Creole, Port-au-Prince.